Salut les amis, c'est Stéphane et bienvenue sur PES 2016 version Euro 2016, la revanche de Portugal-Allemagne. Alors, Portugal-Allemagne, maillot. Je sais que dans l'épisode précédent où on avait fait Portugal-Allemagne, j'avais perdu, donc... On va changer un peu là par rapport avec Correjma, Eder. Je sais qu'il nous faut Eder, mais on va garder aussi Dani. Il nous faut aussi Dani. João Mario, Adriana Silva, on peut garder aussi. Et on va, voilà, on va laisser comme ça. Pas trop mal. Stade de France, c'est bon. La revanche va commencer. Je sais pas si on va la gagner. Mais je sais que dans l'autre, on avait fait Portugal-Allemagne, j'avais perdu. Je sais plus combien, mais je sais que j'avais perdu beaucoup. Tout ça, c'était à cause de Ronaldo. Voilà, donc... maintenant, il ne manque plus qu'à savoir si on va gagner ou pas. Mais comme c'est une revanche, logiquement, on doit gagner. J'ai changé un peu les joueurs. Voilà, donc j'espère que l'Allemagne cette fois-ci va être un peu moins forte que l'épisode précédent où on avait totalement trop dur pour le Portugal. Parce que si elle est trop forte, on va perdre, voilà. Donc oui. Oula. Ça va pas trop mal. Voilà, donc oui, l'Allemagne est un petit peu moins forte. Je le confirme. Magnifique action, ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul et c'est parfait. Voilà, je le confirme. L'Allemagne est un petit peu moins dure. Mais ça veut rien dire. Parce que oui, l'Allemagne est un petit peu moins dure. Mais il se peut que juste après, là, par exemple, là, hop, qu'à la fin, on soit éliminé comme ça, là, sans demander, et qu'on perd. Là, je la trouve un petit peu plus dure. Oula. Le centre. Je trouve que c'est un petit peu trop dur là. Nani tout seul. Mais je crois qu'il va pas marquer. Deux, trois joueurs d'un coup là. Toujours une petite faute. Heureusement que c'est pas moi qui ai la faute. On va tirer pour rien, c'est gros. Les Allemands. Cristiano Ronaldo. Et celui-là, il fait toujours rien, comme d'habitude. Il passe la balle 10 minutes, c'est pour les Allemands. Ils obtiennent la touche. Ah, touche. Voilà. Ronaldo, il finit rien du tout. Il a tenté, bien joué. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Faute. On va la laisser la faute. Il y a faute, il y a faute. Voilà, je shoot comme un malade. Et c'est qui ça? C'est Nani. La tête ratée de Nani. Qui a pas pris la balle, mais je suis sûr que ça va faire rentrer par les Allemands. Et si on joue comme ça, je suis sûr que ça va perdre. On va perdre.
Rentre, caray. Bah, le match est un petit peu plus moins compliqué que la dernière fois. Mais je trouve que ça va un petit peu plus. Ah, bientôt. Et là, il glisse. Faute. Faut être pas trop mal. Oula. Concentration. Oh, je suis sûr que je vais mettre un but là. La mi-temps s'approche. La mi-temps s'approche. 1-0. Mais ça veut toujours rien dire. Parce que le Portugal, il peut perdre là la deuxième période comme ça là. Coup sec là, sans demander. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. J'avais raison là. Il a pris tout le monde de vitesse. Techniquement c'est superbe, mais ça ne donnera rien. J'ai eu peur. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. J'ai eu peur. Oui, il peut frapper là. Et sur le côté. Bien fait, mais ça ne passe pas. J'ai eu super peur là. Parce que les Allemands là, à la deuxième période, je trouve que c'est un peu plus dur qu'à la première. Mais ça va, c'est les Allemands. Le mec là, il se casse comme ça, là, sans demander. Il va tagler où là? Rien de tout. T'as Ronaldo, il fait rien de tout. Alors là, on passe à l'autre. Arrêtez de tagler pour rien là. Cristiano Ronaldo. Oula. Le film n'est pas passé. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. C'est bien ce qu'il fait là. Toujours Ronaldo qui essaie d'attraper ce ballon, mais il n'arrive pas. Ils vont centrer, je suis sûr que ça va faire but. Il l'attente, mais c'est toujours raté. Voilà. Il l'attente, mais c'est raté. Le tir. Précision. Putain, on dirait qu'il tacle dans le vide. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Vas-y là. Passe à Nani, passe à Ronaldo là qui fasse un petit truc de son match là. Il fait rien du tout. Oui mais le contrôle n'est pas bon, trop approximatif. Il perd le ballon. Et derrière, Cristiano Ronaldo. Il était mieux fidèle. On n'aura plus marqué si. Voilà, on n'aura plus marqué. Si je me suis battu trop près du gardien. Il faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Il faut se projeter maintenant. Il faut se réveiller là. Il peut profiter. Bientôt la fin. Mais j'ai pas trop envie qu'il mette un but pour la fin parce que ça va arriver au pied. Ça va faire. Fin du match. Et voilà. 1-0. Voilà, 1-0, pas trop mal. La revanche a été pas mal. 1-0, voilà. Donc pour cette revanche, je trouvais ça pas trop mal. Un but. Et voilà, donc sur ce, on va. N'hésitez pas à liker, partager et commenter à max cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos.